some people he could actually, you know, talk with, get to increase his knowledge about, you know, the Jewish faith. But he was so disappointed when they talked about Sunday. C'est comme ça que j'ai pleuré, j'ai demandé, Seigneur, conduis-nous. Okay, and that's how he got to prayers again, like, Lord, please show me the way. Comme dans tout cela, on tombait déjà une grande persécution. J'étais dans une grande persécution, tout était bloqué. While he was praying, you know, the periods when he used to pray, he encountered so many difficulties. C'est arrivé même que pour payer même encore la maison difficile. To pay his rent, it was, you know, quite a headache. J'avais une pharmacie bloquée, tout était bloqué. No, everything was, you know, stand still. J'ai pris mes enfants, les envoyer au Cameroun, aller apprendre. Okay, send his children over to Cameroun to go. C'était à l'école ou bien apprendre? Apprendre comme ma femme est camerounaise. Oui. Oui, ma femme est camerounaise. Juste bon l'éducation quoi. Oui, éducation. Okay, okay. So you had to send the kids to Cameroon for education. Yeah. Comme la perception était que je n'arrivais plus à payer la maison. Since he couldn't pay for his house rent, his bills, he had to send the wife and the kids to Cameroon. Because the wife is from Cameroon, she's a Cameroonian, so he said it was better for the kids and the wife to go back to Cameroon where life could be a little much, you know, easier for them. C'est là où je devrais aller passer un congé de moi. Vous devrez ou bien? Je devrais donc aller visiter mes enfants au Cameroun et je cherchais où aller prier. Ok. Oui. C'est là où j'ai connu Serge, le judaïsme par l'internet au Cameroun. So he actually planned to go spend vacation in Cameroon for a month, and while he was praying, he came in touch with Serge. Yeah. Dans l'internet. Through internet again. Je l'ai appelé, il a accepté. Okay, he called and Serge agreed to maybe be with him. Mais parmi nous, je parlais déjà du judaïsme, que la vraie religion c'est le judaïsme. Okay, so among his fellow elders, he was talking about Judaism. Mais on avait peur. But afraid. On avait peur. Afraid to express themselves about Judaism, that is the best religion. Je reviens. Ils ont accepté. So they actually agreed. Mais ils n'avaient pas d'éclairé, ils ne sont pas éclairés. But they needed more light into that, more explanation. Yes. More exposure. Il y a le problème de Yeshua, le problème de Jésus. Il fallait enlever Jésus pour présenter la Torah. Okay, okay. Oui. So there was this problem of Jesus, how to, you know, bring out the essentials of Judaism without mentioning Jesus. So there was this difficulty because most of them actually from birth, they grew up with the Catholic religion. So it's Jesus, it's Holy Mary. Now it was very tough for him. So actually, you know, remove that from your mind, that it's not Jesus. C'est comme ça que je suis allé, j'ai appelé Serge, il a répondu. So he called Serge and he answered. Je suis allé au Cameroun. He went to Cameroon. J'ai fait 4 jours avec lui. Spent 4 days with Serge. Bon, avec le problème de Yeshua, ce n'était pas facile. So with the problem of Jesus, it wasn't really easy. J'ai accepté le judaïsme, mais me séparer de Yeshua. So accepting Judaism and, you know, getting rid of Jesus wasn't very easy for him. I can imagine. Il a son petit là-bas, Emmanuel. Il a son petit là-bas, il est venu me trouver à l'hôtel, me parler pour me convaincre. J'ai accepté. Okay, so Serge had a kid brother, Emmanuel, who actually visited him in the hotel and, you know, tried to encourage him that if you say you want to get into the Judaism stuff, you need to forget about Jesus. So it wasn't easy at the beginning, but he said with time he actually succeeded in convincing him. C'est après donc j'ai accepté. He finally accepted. Je suis venu leur parler. So he came back and, you know, had to give them the news. Ils ont accepté. Quelques accepté. Some accepted, not all. D'autres sont encore partis, que là on ne parle pas de Jésus, on ne peut pas rester. Okay, so a bunch actually left because they were not very comfortable. Mm-hmm. You know, you're not talking about Jesus, we know Jesus. Why are you not talking about Jesus? So they had to leave. Et so if you stay. La manière donc le catholique a présenté que c'est les Juifs qui ont tué Jésus, donc c'est un poison, donc ça, c'est difficile. Okay, so the way the Catholics actually presented the religion, like saying que c'est that Egyptians actually killed
Jesus. So it was very difficult for some of them to accept the fact that, you know, it's not Jesus, it's something else, somebody else. So it wasn't very easy with some of them, and they had to go. Donc, il y a un groupe qui vient encore, même de quitter encore. That recently another group just left. Ils ne peuvent pas rester là, on ne parle pas de Jésus. That they can't stay where they don't speak Jesus, where they don't talk Jesus. Donc, mais le petit groupe là, ceux qui sont rien, comme le papa là, on est là, on accepte, on dit, on doit présenter Israël, accepter la Torah, on accepte souffrir. Donc, ça a été nos prières. Ok. So a few like our elderly brethren from Oyem and a few others actually stayed, and they said, we are going to go through all the thick and thin, we are ready, so we will follow you. Donc avant que Serge m'a encore appelé qu'il y a un rabbin qui revenait en Israël. Okay, and afterwards Serge called him that I don't know how a rabbi was coming from Israel. Mais quand je reviens encore en écoutant aussi son enseignement, bon, puisque je travaille avec des femmes, puisque c'est elle qui est bergère ici. Quand j'écoute, oui, c'est elle qui est bergère, je travaille avec lui. Elle est bergère qui? C'est elle qui est bergère, la communauté. La communauté ici. Oui. Oh, ok, ok. So the lady was actually the one accommodating, you know, the Jewish community here in Bethel. Quand j'écoutais l'enseignement de celui qui revenait en Israël, oui, ça a encore froissé, parce qu'on ne faut pas saluer les femmes, faut pas, c'est un peu difficile. Vous comprenez, en Afrique c'est, oui, c'est pas ça, c'est pas facile. So okay, when he got the teachings from the rabbi that you don't have to greet women, you don't have to, I don't know, c'est ça, saluer les femmes, se mélanger avec les femmes. Oui, bon, c'est un peu difficile, donc c'est so le rabbin en Israël, oui. Like greeting women, being with women was a little bit difficult. Or no, respect to our African culture, so it was not very easy too. Bon. So, the rabbi told him that they shouldn't be with, yeah, with, and they had been before. Yes, like you know. Which rabbi? C'était qui ça? Le rabbi, c'était qui? C'était Menachem. Oui, il est en bas, il est là-bas comme ça. C'est là où Serge est logé chez lui en Israël. So actually, Serge stayed with him in Israel. Israel. A rabbi in Israel. He didn't visit him. Maybe Menachem. I suspect it was Menachem. Quel est son nom? Son nom, je l'ai là-bas au Yem. Oh, okay. Je vais aller vous montrer. Okay, so he's going to show you the name. And, J'ai des photos, vous allez voir les photos là, nous sommes ensemble. Mm-hmm. Donc c'est ce qui nous a encore un peu froissé. So he kind of discouraged them, like, how can we be talking with women? Why can't we greet women? So it didn't go down well with them. Je suis encore seul. Bon, je travaille avec les femmes. Ils reçoivent bien la parole, mais quand on dit qu'on ne doit pas se mélanger, oui. So it was very difficult for him because he's used to working with women. And when the rabbi came and said, no, you don't have to, you know, tangle, like, not like, you know, you don't have to be with women. Because women represented an instrument for actually spreading the news. So women were very essential. Mm-hmm. So it was kind of difficult for him. When the rabbi said, no, you don't have to talk with women, you don't have to mix with women. What does talk and mix? I'm a little confused because everybody talks and with women. Women, yeah. Yeah, so I need much more exact what he was told. Because we know these kinds of rabbis very well, but this is an unusual thing for here. We've never. It's one thing to say you can't kiss a woman or you can't shake their hand or touch, but to talk and interact, we never heard. I have. It's not familiar to me. So can you just tell us more? Yeah. Okay. Donc, il voudrait savoir, puisque bon, tout le monde parle avec des femmes. Mm-hmm. C'est pas le fait peut-être de parler tout simplement qu'il avait dit que c'est pas bien. Peut-être autre chose. Que parler, se mélanger avec les femmes pour que la parole soit édifiée partout. Donc, elle voudrait savoir, est-ce que c'est vraiment ça que le rabbin avait dit? Bon, il ne faut pas se mélanger avec les femmes ou bien parler avec eux? Bon, pour ça, j'ai attendu Serge pour connaître véritablement sa vision. Le problème, c'est que lui-même ne m'avait pas parlé,
Mais la communauté. Ah, ok. Bon, c'est pas le rabbin lui-même qui avait dit. Bon, mais le rabbin, il saluait les femmes comme ça. Le rabbin, il saluait les femmes comme ça. Mais pour les autres, non, c'est ça. Comme ça. Oui. You know, it's one thing not to touch, you know, bon. Or kiss. Okay. Right? Can you please translate what he said? Donc, comme moi, j'étais étranger, okay. J'ai compris même au niveau de la communauté que par rapport à d'autres membres de la communauté qui viennent d'ailleurs, oui. Le courant, ça rentre. Mais un peu avec lui, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Et même moi aussi, j'ai ressenti ça. Okay. Donc, au sein même de la communauté. Oui. Oui. Donc, il ne touchait pas les femmes, quoi. Bon, il gardait une distance. Oui, donc ça lui comme ça. Et ça comme ça. Donc, comme moi, étant étranger, oui. Je me suis dit que même combien la communauté même aussi parlait que avec les autres qui viennent le visiter, le courant s'est ouvert. Mm. Bon, mais bon. Vis-à-vis les femmes. J'ai dit, avec celui qui venait en Israël, oui. Ils sont tellement, comme étant orthodoxe, bien, bon, c'est dur. Oui, je parle avec, un peu de réticent, je parle de la communauté. Communauté, même, oui. Ok. Oui, et moi-même, comme étant étranger, j'ai compris ça et j'ai ressenti ça. From what I deduce, it was just a misinterpretation. Yes. So he said, he just came in and he was like more of a stranger. But from what he heard, from what the others were saying, like, no, you don't have to shake hands. But he said the rabbi was like, you know, just greeting, general greeting, like, because you can't shake the hand of everybody. Wow. So it's just, from what I get, it's just a misinterpretation. But did he use that word? No, he said no. What did he say? Some other people. Actually, he got the news from what others were saying. They kind of imagine, but why? Those who come from the other side, from Israel, yeah. Why don't they shake hands? And who was and who were the other people? Were they? It's just the Jewish community that he met actually. In Cameroon. In Cameroon. Yeah. Cameroon. Yeah. 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 They won't shake community hands. They shook our hands. Okay. So the Jewish community in Cameroon. Puisque si je travaille avec les femmes. Quand je ne suis pas, elles peuvent exhorter, puisqu'elle est bien engagée. Oui. Elle exhorte, peut exhorter pour maintenir la communauté. Oui. Okay. So he found it a little strange because he works with women. So that's what I'm saying. From what I get from him, it was just a misinterpretation. Because I mean, it's women. Elles sont trois. He's got three women. Il y a une qui intervient à la radio. Okay. One does regular spots on the radio. Pour représenter la communauté juive. Yeah, to represent the Jewish community. Donc, so they've got programs that they run from time to time. Celle-là ici, avec lui. Okay, so the lady, she's here in Bitam. What's her name? So long. Lydie. Donc, comme je suis toujours en déplacement, donc ce sont eux qui veillent sur la communauté. So he is constantly on the move. So she is the one trying to bring people together because he's always to and fro from Moyen, Cameroon. So he's always around moving to, you know, get more people. And she being here is like, you know, the leader trying to, you know, get things moving. So, and when he says he has three women, does he mean three women that he works with? Or yes, no. Three women that he works with. Donc, le but. So, où est l'autre femme? Parce qu'il y a celle-là. The other lady, you just said them. Okay. Will we meet them today? Will we meet her today? Yes, today. Oui. Puisque le papa là, il sort d'Oyem. Okay. So, he is someone from Oyem. Donc, l'organisation de la communauté au niveau du Gabon. Oui. Et c'est mon vice. Donc, après moi, c'est lui. Okay, so he is like the vice, you know, the Jewish community in Gabon. Yeah. So he is like the president. He is the vice, yeah. Did we clarify the issue around the women's place here? Donc, pour les femmes, parce que c'est ça qui les inquiète beaucoup. Mm-hmm. Parce que eux, ils ne savent pas, ils ne reconnaissent pas qu'on ne doit pas dialoguer avec les femmes, on ne doit pas toucher les femmes. Mais si c'est autre chose, peut-être vivre avec la femme, en concubinage bien sûr, ou bien embrasser les femmes, c'est là où il y a problème. Non, on parle au niveau que, est-ce que la femme peut exhorter parce bien qu'elles sont bien engagées. Bien sûr. So he wanted to know if women could fully engage in the spread of the good news and spread of the religion. And
Parce que ce qui nous a saisi, elle est là, ils sont en toi. Or, je suis entre lui et moi, il est homme. Mais c'est les femmes qui ont déjà bien saisi la chose. Mm-hmm. Si vous-même vous les écoutez, comment ils prêchent, moi je n'ai même pas de force pour prêcher comme ça. Donc, comme ils disent, les femmes n'ont pas de problème. Uh-huh. Elles peuvent s'engager à 100%. D'accord. Yeah. Il y a qui ne touchent pas les femmes. Yeah, that's what I just told him. Yeah. But participating. Yeah, that's what I told him, that, you know, kissing, touching, that's something else. Right. But, and the spread of the news, the preaching, of course, women are allowed to do that. Yeah. So I just told him. Of course. Donc, les femmes n'ont pas de problème. Si c'est pour prêcher, partager les bonnes paroles, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de partager ces bonnes paroles, s'il y a bon, le concubinage, autre chose, comme d'ailleurs même toute religion, c'est interdit. Donc, voilà. Bon, le but de la réunion, avant la grande réunion. Ok, the goal of this private meeting. J'ai pris l'étoile comme témoin. Ok. He brought these three men like witnesses. Parce que le programme de la soirée, qu'après que nous allons revenir d'Oyem. Mm-hmm. Et quand nous allons revenir d'Oyem. Oui. Nous allons les accueillir avec quelques louanges. Parce que ça fait partie de notre ministère. Bien sûr, oui. Et il y aura. Il y a un papa qui n'est pas parmi nous ici. Qui aussi, il était avec nous à Kiosi. Ok. C'est lui qui est le secrétaire de la communauté, il n'est pas là. Ok. Oui. Donc, il a un discours qui veut parler pour la communauté. Ok. Donc, ça sera après la grande réunion d'Oyem. Donc, quand, non, la grande réunion, c'est ici. C'est ici. Oui, okay. On va seulement juste, ils vont regarder. Ok. La communauté. Bien sûr, bien sûr. Ah, et puis ils vont revenir. Ils vont revenir. Okay. Vont, nous voulons aussi qu'ils saluent aussi. La directrice de la radio. C'est parce qu'on veut créer une collaboration. Okay, okay. Comment on appelle ça? Oui, c'est un partenariat. Un partenariat avec la radio. Donc, okay. Je salue parce que le gouverneur, il est pris. Il m'a dit qu'il est pris. Aujourd'hui. Mais il était prêt, oui. Il était prêt à les recevoir. Ok, oui, ok. D'accord. So this private meeting is to give you a rundown of today's program. So he said. First, the governor is very occupied. He was very willing to receive you guys, but he's very occupied. He won't be able. And unfortunately, the secretary for the Jewish community in Gabon is not present today. Maybe before the day runs out, he'll be around because he has to officially, you know, speak to you guys. And he also wanted you guys to go visit the local radio station. So if you guys can work out something, maybe some kind of a partnership, collaboration, so some spots, you know, can be regularly played on the radio and stuff. And that it would be also nice if you guys could go, you know, meet some of the other members of the Jewish community and see, you know, what's happening. Yes. Donc, avant la réunion, donc de la soirée, mm-hmm. Et le but de cette réunion, ça me concerne. Oui. C'est-à-dire. Donc, je voudrais, puisqu'il était question des doléances, la communauté a fait nos doléances dans l'ensemble de la communauté. Bien sûr. Oui. Donc, et pour l'instant, c'était que cela soit quand même. Comme les témoins concernant mes doléances que j'ai envie de demander parce que je suis persécuté. Okay. Je suis persécuté, donc je voudrais le faire d'abord par, bon, parce que ce soir nous allons nous retrouver ensemble avec la communauté. Okay. Et parler un peu, bref, le Gabon, comment c'est situé. Okay. Et notre position là où nous sommes, Bitam et Oyem, sur les 9 provinces du Gabon, parce que c'est Oyem, Bitam qui détient tous les 9 provinces du Gabon. Parce que quand tu commences une affaire ici, si ça réussit ici, ça va prendre dans tout le Gabon. Okay, okay. Oui, et parce que c'est nous qui devons aussi allumer la Guinée équatoriale. Okay. So furthermore, he says he's been going through a lot of persecution. So a lot of persecution. Yes, a lot of persecution. So he's got a few requests to make to you guys, and that. During your meeting,
they will give you an expose on their situation in Bitam, Oyem, and Gabon as a country. And he is saying when something sucks, when something starts here in Bitam or Oyem and it succeeds, it means you can succeed all over Gabon. Mm-hmm. And he says it's like a platform too for the Jewish community to extend right up to Equatorial Guinea, which mm-hmm. is just a few kilometers from here. So they're actually working on that. So during the meeting, they'll expose all that to you, their projects, mm-hmm. what they intend to do, some of the limitations, and how you guys can, you know, come up with. Excellent. Yeah. What's the persecution, yeah. Mark? Can you explain that? Dans tes persécutions, c'est quoi? Les gens qui n'aiment pas te voir. Bon. Au niveau de la persécution, nous n'avons pas de persécution au niveau des autorités physiques, pas des agressions. Oui. Mm-hmm. Donc, les perceptions sont lesquelles, c'est que depuis cet engagement, je suis un père de cet enfant, hein, j'ai créé une pharmacie qui compte des grands problèmes. Donc, mes grandes perceptions sont dans les finances et ça me bloque l'activité même religieuse parce que, sachant que mes enfants sont au Cameroun, rien, tout est bloqué. Donc, c'est bloqué à cause de votre foi donc, ou bien non, pas des, à des finances. Votre... Oui. Parce que même ma pharmacie m'est bloquée là, les finances donc, sont bloquées. Dans ce sens-là. Oui, c'est pour ça que je veux savoir. Il parle que après qu'on a pris cette position que nous avons aujourd'hui, oui. c'est là où les problèmes de finances oui. ont commencé. Donc, toutes ces activités même qu'il avait, comme la pharmacie, oui. qui pouvait rapporter, oui. et c'est la cause même que les enfants se retrouvent au Cameroun. Oui, ben, donc, les persécutions sont au niveau des finances. Ok. Bon. Parce que personne ne résigne. Il n'y a plus personne qui lui vient en aide. C'est coup pour les gens. Ok. Donc, il veut dire, comme il s'engage à 100% à la religion, il n'a pas le temps de s'occuper de sa petite pharmacie, c'est ça? Non, je veux juste comprendre pour bien les expliquer. Parce que souvent, à ma connaissance, quand on parle de persécution, surtout en termes religieux, c'est quand les gens ne sont pas en accord avec votre choix. De ce côté, voilà, c'est ils essayent. La cause de la division. Ok. Ouais. Ok. C'est ça. Et maintenant, d'accord. Tu sais que tu ne peux pas prier Dieu. Hein? La Bible nous recommande de travailler. Bien sûr. Je suis un père de cet enfant. Oui. Donc, et déjà, même moi, je dis que la prière, parce que j'ai prié pour chercher le secours de part et d'autre, oui. et je relève encore cette pharmacie. Ok. Mais jusque-là, il n'y a pas moyen. Ok. Donc, c'est même fermé que pour sortir même de payer, tous les produits sont même gardés. Parce que je n'arrive pas à payer. Location, tout est bloqué. Pour trouver même quelqu'un, tu peux même les prêts, même c'est interdit. Donc, je cherche à relever. Ok. Voilà pourquoi, comme il disait, que la famille est même au Cameroun. Oui, je comprends. Pour même joindre les deux communautés maintenant, les déplacements, tout cela. Ok. Well, I was just going further, you know, to understand. Thank you. Yeah. So, because I told them my interpretation of the word persecution. It comes when maybe people want to separate from you. You come, there are some obstacles that you come into because probably of your faith, because of certain decisions in your life. So I just wanted to find more Thank if you. Those persecutions were mm-hmm. based on religious obligations uh-huh. or maybe just because. Yeah. yeah. Okay. Yeah, normal so day-to-day yeah. difficulties yeah. in life. Yes. So he said, yes, it has to do with his religion. Because he has a pharmacy. He had a pharmacy, but because of his religious choice, so people are saying, we can't buy again for you because of your choice in faith. What is it you're talking about? Mm-hmm. So... he couldn't run his business very well because of his choice. Mm-hmm. That's why he had to send the kids to Cameroon. Mm-hmm. And he can't pay his rent. And the fact that he has to move from Bitam to Oyem mm-hmm. to visit the other Jewish communities, it's a little problem for him because, you know, financially speaking, he's down. So those are the main problems, the main issues. But when it comes to authorities, no problem. Because like the governor himself, it's okay, it's a choice, you decided to be a Jew, that's your choice, no problem at all, it's accepted. But now, day to day, running of his activities,
because of his faith, because of his religion, that's where he finds so much problem. So, you know, it all boils down to finances. Yeah. And others in the community, do they have, do they face similar obstacles because of their les mêmes conflits, les mêmes problèmes, Or is it mostly because he's known? On a fait le donat pour la communauté quand nous allons nous retrouver le soir. Donc, non, il voulait juste savoir si les autres, même aussi. Oui, lui là, tout ça va de tout le monde. Déjà, lorsqu'il va aller déposer Saint-Maçon, il va aller déposer les dossiers. Hein? Le fait qu'on ne travaille pas samedi, ça cause des problèmes. Okay. Nous sommes tutés même de la pharmacie. J'ai créé même un compte avec un autre frère, une société. Partout, on veut déposer les dossiers. À cause des affaires de samedi, bon, ça. C'est, tout est bloqué, donc ça va de toute la communauté. Okay. Donc, lui là, il travaille à la radio. Oui. Et lui, c'était l'ancien capitaine à la gendarmerie. Major, non? Major. L'ancien capitaine de gendarmerie. Okay. Major. D'autres font, même elle, elle est obligée de faire des ménagères, même là aussi, elle aussi persécutée. Et étant bergère, on est en train de l'enlever, elle partout, elle peut travailler. Donc, ça va de tout le monde. Okay. It's basically the same problems with everybody. Can we hear from them what they say? Yeah, of course. Okay. I just want to. So, he says it's basically the same problem because the fact that they can't work on Saturdays, it's a major obstacle. Yeah, sometimes when they go and they have to tell their masters or their employers that Saturdays I can't work, it's a problem. And when they go further, like, why can't you work on Saturday? My faith, my religion doesn't permit me to work on Saturday. So there's this conflict. Yes. Donc, elle voudrait savoir de chacun de vous d'exprimer vos difficultés vis-à-vis votre foi, votre choix. Bon. En fait, à mon niveau, c'est comme il a expliqué. Je vois que la grande difficulté nous était arrivée quand on avait pris la position de laisser dimanche venir à samedi. C'est là où tout a chamboulé. Okay. Les banques, ils les ont vues à l'église, ils étaient remplis. Bon, vous savez que beaucoup de choses peuvent arriver. Il y a des frères qui peuvent vous venir en aide quand vous êtes au service de Dieu. Bien sûr, oui. Bon. Maintenant, la difficulté maintenant, c'est que nous-mêmes, on veut se démerder de cette manière. Tu peux aller se, déposer un dossier quelque part, mais quand tu parles déjà que tu ne peux pas travailler un samedi, ça bloque tout. Okay. Et nous, on veut toujours, on ne peut pas rester là à sans prêcher rien sans rien faire. Bien sûr, on sent très bien la parole de Dieu interdit ça. Okay. Donc nous rencontrons tous presque les mêmes difficultés depuis qu'on a laissé ce problème de dimanche. De dimanche. Okay. C'est les mêmes difficultés. So, et les pères de famille comme nous, c'est difficile. Okay. So, basically the same thing. What is his work? And okay. Vous faites quoi, monsieur? Moi, je suis maçon. Ah, vous êtes maçon. OK. Je suis maçon. Je fais aussi, je peux aussi faire de la photographie. Mais je suis en difficulté. OK. Même l'agriculture, même l'élevage. Mais beaucoup de choses sont dans la tête. Mais il n'y a pas de mais pour le moment, c'est dans l'école de maçonnerie où quelqu'un peut m'appeler par jour d'aller faire quelque chose. Je pars juste pour pointer. Ok, ok. D'accord. Parce que tu mentionnes, il y avait des membres qui travaillaient dans la pharmacie. Oui. Vu que la pharmacie est fermée, eux aussi, tout le monde est parti. Ils sont bloqués. Tout le monde est en chômage. En chômage, quoi. Oui. Ok. What is his usual occupation? Okay, he's a photographer and he does general labor, like in construction. Mm-hmm. Yeah, so he says it boils down to the same thing. Like each time he finds a job, but when he gets to say, I can't work on Saturdays, it's a major problem. And no, like a father, he has to work, he has to provide for the kids. Yeah. So it's a problem for him. And he says before, when it was Sunday,
the congregation used to boast of so many members, but when it was changed to Saturdays, everybody left. Mm-hmm. And sometimes when they face problems, when they go to, fellow brethren, like, hey, can you help me out? Like, no, I'm no longer interested. Because you've changed everything in your church. Mm-hmm. It's no longer Sunday. All we know is Sunday. You're talking about Saturday. Why do you need my help? So, mm-hmm. all that. This is a problem all over the world. Bon, c'est un problème partout dans le monde. It is not easy even in large Jewish communities like the United States. And I think my wife had a problem with a job like that. I have a problem with my job like that. Yeah. I am the rabbi of the synagogue, so I don't have it. Okay. Donc, c'est un problème partout au monde, dans la communauté juive. Partout. Même aux États-Unis, là où il y a une majorité vaste de juifs, c'est la même chose. Donc, c'est le même problème. Parce que les gens ne veulent pas accepter que vous ne puissiez pas travailler les samedis. Yeah. Donc, c'est partout. C'est pas uniquement ici au Gabon ou à Bidam. C'est partout. Mais avec votre foi, ça va aller. Ce qui est sûr, c'est comme ça la vie. Donc, c'est pas uniquement, le problème n'est pas uniquement pour vous. Même pour eux aussi, même sa femme a rencontré la même chose. En India, il y a. There's a small community, very small, and they stopped working on Saturday, and it was very difficult. Yeah, because Sunday is the day of rest in that part of India. Donc même en Inde, il y a une petite communauté juive, et c'est comme ça, pareil, les gens ne bossaient pas les samedis, puisque tout le monde connaît les dimanches. Là-bas, c'est général, ce sont les dimanches que tout le monde se repose. Imaginez-vous, comme ça, vous dites, non, samedi, on ne travaille pas parce qu'on doit respecter notre foi religieuse. Et puis, vos patrons vous disent, mais c'est dimanche, pas samedi. Vous voyez la difficulté. Donc, c'est partout. Donc, ce n'est pas spécifique pour vous. Donc, c'est un peu partout dans les communautés juives. Now, we understand that it works out a little different in different places, or the money can be harder for different people and different communities. But the general problem is a problem for Jews all over the world. Even every day I face it at my work in the university. Donc, elle dit, c'est pas un problème particulier, mais peut-être les façons sont différentes, vu peut-être nos situations, là où nous sommes, et aussi avoir de l'argent, puisque là où elle est professeure de l'université, c'est la même chose. Même au lieu de travail, elle affronte ce genre de problème. Parce que les gens ne parviennent pas à accepter qu'un samedi, vous ne travaillez pas à cause de vos obligations religieuses. Donc, c'est un peu ça. In some communities where there are Adventists, sometimes it's a little easier. Okay. Yeah, because the Adventists, the Christian Adventists, have Saturday as Sabbath. So, yes, I think in Cameroon is the same thing. I know of a few friends. There's an Adventist group in Cameroon? Yeah. No yeah. Adventists here? I haven't seen any here. Not yet. Okay. Maybe in Oyem, but not here in Bitan. So translate for them. Non, c'est pareil avec. Je pense que vous connaissez les Adventistes aussi. Puisque aussi là, c'est samedi pour eux. Oui, c'est samedi. Non, c'est la même chose, oui. Leur communauté était déjà un peu développée. Ici, hein. Ils sont déjà bien développés. Mmh. Ils avaient commencé. Oui, c'est vrai que oui, mais je sais pas. Ils sont, ça existe ici. Ils avaient commencé ici. Ils avaient commencé plus longtemps, ils avaient commencé. Ah oui, moi aussi. Mm-hmm. Ok. Bon, puisque chez eux, c'est la même chose. Je pense que c'est les samedis aussi. Oui, mais eux, en fait. Bon, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus implantés. Ils ont déjà, des choses qu'ils avaient déjà établies. Ok. Ah, yeah. So, there exists a community like that here. Yeah, and they are well established. So, that's what they're saying. So, they've got people who can always, like, you know, give helping hand or recommend for work somewhere else, so with them it's not much of a problem. Yeah, but as compared to, it's something new here. You know, the Jewish religion here, it's a little new, so it's not very easy for everybody to accept that. Yeah. So I'm telling them it's all over the world, even in the United States, it's the same thing you guys face. That's right. Yeah. So it's not unique to them. Right. Though we hear that it's hard.
Even though we hear, of course, that it's hard. Être juif est difficile. Parce qu'avec les adventistes, c'est des chrétiens. Nous le sentons même ici. Nous sentons ça. C'est difficile. Mais parler du judaïsme, ça devient une autre chose par rapport à le. Ok. Oui, c'est ce que je laisse expliquer. Comme c'est un peu nouveau ici, donc les gens ne parviennent pas à appréhender. Par contre, oui, je comprends. On ne peut pas indiquer les injures comme ça. Quand vous mettez Jésus de côté, mais c'est pas. Ah oui, c'est ça. So they said the difference with the Adventist community is they speak Jesus. Yeah. So they are easily accepted. Yeah. Whereas in Judaism, when we don't speak Jesus, like. Yeah, it's different. It's different. So their situation, that is the Adventist community, it's less severe than what they are facing. Mm-hmm. Yeah. Well, they are partially accepted, course, because they speak Jesus. Yes. Yeah. So, madame, vous pouvez nous dire votre quotidien, vos petits problèmes, c'est que vous affrontez de temps à autre à cause de votre choix religieux. Bon, comme le leader l'a parlé, oui. Nous tous vraiment nous souffrons de, je vais dire, la même maladie. Parce que vraiment nous sommes bloqués, moi particulièrement, je suis vraiment engagée. Je voudrais même connaître vraiment véritablement le Dieu d'Israël, parce que je veux vraiment le servir. Donc il faut d'abord des connaissances dans ce domaine-là. Bon, maintenant quand je reviens sur le plan physique, bon, parce que je suis étrangère ici, je suis camerounaise. Ah, vous êtes camerounaise. Je suis camerounaise. Donc je suis même dans des difficultés, parce que parfois je voudrais même me rendre de 16 carrières, visiter la communauté là-bas, mais je n'ai pas de carte de séjour. Donc je suis complètement bloquée. Et voir vraiment la vie quotidienne que je mène, bon, je n'ai pas fait de grandes études, donc je me suis arrêtée en classe de première, mais je suis obligée de faire des ménagères par-ci et par-là. Je travaille quelques mois, parce qu'en ce moment-là, je arrête même, parce que je travaille un peu là-bas, je vais arrêter même ça cette semaine. On m'a dit d'arrêter le travail, donc. Mais c'est pas par rapport à votre foi, je veux juste comprendre. Non. C'est juste, bon, parce que peut-être le contrat est arrivé à terme. Non, c'est pas que le contrat arrive à terme, on se m'en demande, plus on n'a pas signé de contrat. Donc c'est comme ça, dès que on m'enlève là-bas, bon, je vais chercher Or, je dois me consacrer vraiment pour l'œuvre de Dieu. Okay. Donc quand je reviens du travail, j'ai à travailler, passer par là, c'est vraiment avec toute la fatigue, donc c'est un peu pénible. Donc c'est dans ce sens-là. Le nom, s'il vous plaît. So Lydie says, it's the same problem like every other person, but her desire is to get to know the God of Israel. She really wants to boost her knowledge about that. And she says one of her major difficulties, because she's a Cameroonian, he too is a Cameroonian, so she faces the problem of being legal in Gabon, so she can't go to Oya because she hasn't got papers. So because, you know, she's really engaged and she really wants to know more, and knowing more means you need to share like giving and like receiving. Yes, of course. So she really wants to go to Oya, meet the other Jewish community there, so they can, you know, together get to, you know, do research, get to know more about the God of Israel, but she can't because she hasn't got papers. So she's limited here. As per her social life, it's the same issue Saturdays. But she says, oh well, she's trying to cope. Yeah, she's trying to cope. And I'm happy with what she said, because she accepted the fact that, yeah, I'm a Jew. So, you know, just like in life, whatever you do, be it a Christian, a Muslim, that's something you need to accept, because once you accept those things, it becomes more easier for you to go to you know, make advancements. You can move ahead because you know that you're gonna face such problems. So with her, it's
she accepts the fact. So she's not looking at it like a much of a problem or a difficulty, because she accepts, she knows, yeah, people are going to sideline you, you're going to be stigmatized because you're Jew, because Saturdays is your day of worship and all that. So she accepts that. So I think it's really brave on her part. And okay, he's a retired police officer, so I guess he's in his he's a retiree. And mon père, je pense que c'est les mêmes problèmes comme pour les autres. Faut que je m'exprime quand même. Oui, oui, bien sûr. Oui. Bon, pour moi, je peux donner d'abord un petit historique. Ok. Que je suis catholique de naissance. Ok, catholique from birth. Oui, depuis à l'âge de 3 ans que j'avais été baptisé. Ok, vous êtes baptisé à l'âge de 3. Je quitte cette église en 2005. So oui, je quitte le catholicisme en 2005. Bien que juste mon sang, mon esprit, tout était dans le catholicisme. Oui. Bon, Dieu aidant, en 2005, je suis appelé par un frère à Libreville qui avait vu un certain docteur et son mari venu du Cameroun. Il prêchait et était de l'église de réveil. Je suis allé là-bas, je me suis fait convertir. J'étais devenu, enfin, dans les églises de réveil, j'ai abandonné le catholicisme. De ce temps, j'évoquais d'une église à l'autre dans l'église de réveil. Bon, en 2012, je me trouvais chez moi à 7 km de la ville d'Oyenne. J'écoutais la radio, c'était vers les émissions de 14h, quelque chose comme ça. J'entends le prophète ici là présent, je ne le connaissais pas. Oui. Il prêchait dans la radio d'Oyenne. Dans sa prédiction, il parlait du sabbat. Je dis, mais je dis sabbat dans la Bible, mais ça ne se réalise pas physiquement. Oui. On parle du sabbat, on ne présente pas le sabbat, on travaille le sabbat, dimanche on se repose. Mais d'où vient ce dimanche? Je dis, bon, il faut que j'aille toucher les doigts, voir là où ils sont. Okay. Ils étaient en train de faire la campagne à Oyenne. Okay. Je suis allé en 2012, quoi, le mois de juillet. Mm-hmm. Oui, je suis allé, j'ai écouté. Ils m'ont demandé, le professeur m'a demandé, bon, vous qui venez pour la première fois aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, non, je suis venu en observateur, voir ce que vous dites, ce que vous faites. Depuis ce jour 12 jusqu'à aujourd'hui, je suis dans cette église, cette communauté. Oui, oui. Ah bon, les difficultés que le leader éprouve, ce sont les mêmes difficultés. Nous qui venons, qui sommes ses disciples, nous éprouvons les mêmes difficultés. Je suis engagé dans le judaïsme à part entière. Mais il s'avère que dans notre religion, le monde nous haït. Le monde nous est. Voilà. C'est ainsi que nous avons des difficultés. Voilà toute nos communautés. Nous sommes là, bien vrai que nous ne sommes pas nombreux. On était nombreux quand on était chrétiens. Oui. Mais actuellement, le monde nous a abandonnés. Aussi bien qu'on avait quand même, il avait vraiment de la voix. Il avait des choses. Il avait des véhicules, il avait la pharmacie. Celui-là avait un véhicule. Actuellement, depuis que le judaïsme a été annoncé, nous avons vu que la vérité est dans le judaïsme. Ces choses-là nous ont abandonnés, c'est ça que je dis. Okay. Les choses nous ont quittés. Quitté. Jusqu'à présent. Mais doléances, oui, c'est, je demande aux responsables, aux fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, quand ils vont rentrer, c'est de prier pour nous, pour que le judaïsme ait la place de l'ampleur dans l'Afrique, particulièrement au Gabon. Voilà mes condoléances. Je suis au village, je fréquente la ville d'Oyenne, je suis à 7 km de la ville, sur la route de Mongomo. Chaque mercredi, je paye un véhicule, je viens, et quand je retourne le soir, les véhicules sont partis.
là où je paye 300 francs, je paye 5 000 pour le retour. Oh mon Dieu. Oui. Je fais ça deux fois par semaine. Depuis 2012 jusqu'à présent. Ce que je fais. We need some translation. Alors, parce qu'il nous manque des moyens. Si celui-là avait son véhicule et le préfet aussi avait son véhicule, je ne serais pas beaucoup embêté. C'est ça, ce sont ces moyens qui nous font défaut. Nous demandons vraiment que ceux qui peuvent vraiment nous aider pour nous encourager à supporter le judaïsme dans notre pays. C'est voilà mon expérience. J'en ai personne. Son fils aussi. Oui, j'ai même mon fils est à Libreville. Il travaille aux finances. Et il était dans les églises de réveil là. Chaque fois que je pars là-bas, je lui téléphone, je lui dis voilà ceci, voilà cela. Voilà, nous en. Le dimanche là, d'où vient le dimanche? Toi-même, tu sais lire, tu prêches à l'église. Regarde dans Exode 20, tu vas voir le sabbat. Le dimanche, on ne voit pas. D'où vient ce dimanche? Lui aussi, comme c'est un intellectuel, il a essayé d'étudier dans l'internet, machin, tout ça. Il me dit, effectivement, papa, ce que vous dites, c'est vrai, mais nous allons essayer de voir. Actuellement, il commence à prendre le contact avec le prophète. Oui. Si bien que je parle à toutes mes... J'ai plusieurs enfants. J'ai déjà des arrière-petits-fils. Il a 80 ans. Oui. Oui. J'ai 80 ans. Oui. Alors, si moi j'arrive à attraper le judaïsme vers la fin de ma vie, je dis merci à Dieu. Okay. So he started with a little history that he was born a Catholic. Since he was baptized at the age of 3, and he grew up with the Catholic religion right up to 2005, when he met one Mr. Somba from Cameroon, a pastor who came and preached to him. And actually, he's a pastor in one of the Pentecostal churches in Cameroon. So he was actually converted from a Catholic Christian to a born again Christian. Like, that's how we call it here, a born again Christian. Yeah. So he started fellowshipping from one church to the other, the born again churches. And in 2012, while he was doing one of his radio spots, he heard about the Sabbath. So he was like, what is he talking about? Not Sunday, but Sabbath. What is Sabbath? So with so much curiosity, he said he wanted to know what Sabbath actually means. So in one of his campaigns in OEM, going around preaching, so he actually met and, he asked questions. What is it all about, the Sabbath thing? Can you please explain it to me? So he went ahead and told him about Judaism, about the Sabbath. And from that day, sometime in April 2012, he's been converted from a born-again Christian to a Jewish person. So he says the problem he has is, because he lives 7 kilometers from the town of Wuyen. So on Wednesdays and Fridays sometimes, for the usual meeting, he has to leave from where he is to Wuyen. He pays 300 francs. It's not a problem. 300 francs, it's okay. But when the meeting finishes, it's quite late. And when he has to go back home, he spends like 5,000 francs. So you can, from 300 to 5,000 francs, it's enormous. So he worries for how long is he gonna do that. Yeah, but he's really engaged. He says he's 80 years and he's very happy that despite his old age, he's got to know Judaism, and that he started talking to his son who works in Libreville, who works with the Ministry of Finance. So he talked about the Sabbath. So his son was like, "Dad, what are you telling me about? It's not Sunday, but it's the Sabbath." So he said, it's the Sabbath. That's the truth. That's the real thing. So you need to do your research and come up with something. He says recently, gradually he's been getting very curious about it. And he's like in the positive lane into getting into Judaism. And he says he's got so many kids and, great grandchildren. And so he's willing to bring everybody into it. But he just needs to be encouraged. And he says,
what he wants from you guys, when you go back, you need to pray for him. That Judaism should be well implanted here in Gabon. So that's his main preoccupation. You guys should pray for him. Wow. Yeah. Okay, so I have another question. Besides Saturday as the Sabbath, what other Jewish practices do they have? Okay. No, apart so first can you, yeah, but also can you please thank him and tell him yes, of course, we will pray for him. Okay, donc ils disent merci pour tout, pour encourager vos petits-fils, vos enfants, qui vont prier, à ce que vos doléances, à ce que aussi le judaïsme puisse prendre de l'ampleur ici au Gabon. Oui. Et qu'ils ont suivi vos doléances, ils vont essayer de voir ce qu'ils peuvent faire. Je demanderai aussi, pour terminer, que je dirais ce que tu puisses toucher le sol de ma maison, parce que c'est dans notre programme à 7 km de faire un tour. Si il peut faire un tour dans un ok, ok. C'est ça que je disais, comme une femme qui avait des règles pendant 12 ans disait que si je touche la robe de Jésus, je serai guéri. C'est ça que je dis que si. Il peut. Et que si un Israélite touche le sol de mon terrain, je serai sauvé. Wow. So, il dit, sorry, I'm speaking French. So he says, since his house is not like very far from the town of Oyem, if you guys could go to his house, that's his request. He just wants you to step feet. That he will be very honored. We would love to. Again, we will. Please, he says okay. It's okay. That is going to be a privilege for. It's fate. That is going to be a privilege. That if somebody from Israel could step feet into his compound, he's going to be very, very happy. You got it. Donc, ça va, il va le faire. Okay, so let's go. Wait, just one thing. Okay, donc. Moi particulièrement, je travaille dans la vie, je suis communicateur. J'ai été vraiment beaucoup touché parce que, enfin, quand j'ai d'abord vu le prophète, celui qui a fait en sorte que je me détourne de nos églises protestants, catholiques, parce que je suis catholique, protestant. Protestant, oui. Ok. Et j'ai été là-bas depuis, j'ai été baptisé là-bas, et que tous mes parents sont là-bas. Mais quand je quitte là-bas, franchement, ils ne sont pas contents de moi. Mais je me suis dit, en tout cas, je m'engage pour le judaïsme, pour servir mon Dieu par là. Okay. Bon, en principe, quand nous vous voyons, nous sommes vraiment tout à fait rassurés. Vraiment, comme nous l'avons aussi bien dit le soir, que nous voyons Dieu à travers vous, franchement, parce que nous autres là, nous sommes perdus complètement, nous ne savons pas, parce que tu nais dans le protestant, tu es protestant, tes parents sont protestants, mais quand on voit vraiment... le judaïsme, ils se disent non, vous faites les églises qui ne sont pas bien, on nous a laissé ici, moi je suis protestant. Pourquoi? Ce sont les problèmes que nous connaissons. Et nous, quand nous nous engageons, nous savons que nous voyons la lumière, la grande lumière du côté d'Israël. Parce que nous autres, vu même la façon dont le comportement... de nos églises que nous quittons et ce que la Torah nous enseigne, c'est le jour et la nuit. Okay. Je suis obligé de vous couper pour que je puisse te dire. Ok, donc, same thing, he was born in a family of Pentecostal Christians. And he's a journalist by profession. Yeah, he works with the local radio station. So he says, just like everybody else, you grow
in a family of Pentecostal Christians, and the day you decide to change your faith, it becomes a problem. Family persecutions, your brothers, your sisters, your parents don't want to talk to you because you've decided to change your faith, because you want to become a Jew, and they separate from you. So he says, seeing you guys is enough assurance for them to move on, because they know they are not left alone. So he says, the difference is so clear. Your religion and what the Pentecostals say, it's night and day. So he says, via you, he sees the light. It's just enough hope and assurance for them to go on. Okay, Duncan, we'll continue. We should hear from him. We want to know what. Yeah, but he's not done yet. Okay. Okay. Nous voulons rassurer nos parents, frères, amis et connaissances qui nous environnent que nous servons le véritable Dieu. Okay. Que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu qui dort, mais un Dieu qui est vivant même jusqu'au jour. Oh, wow. So he says they will carry on. He will carry on. When he's talking about the Jewish community here, him in particular is going to carry on because he knows that you guys are serving the real God, the true God. So he's not going to back down. He's not going to back off. He's going to continue with the fight. So he's giving you his assurance that he's not going to desert. So, so he's going to stay and he's going to continue with the fight and the spread of the good news. Wait, he's not done. Et surtout que nous voulons les attirer vers nous. Parce que le fait de rester, nous les voyons déjà dans le noir. Quand nous servons le Dieu d'Israël, nous voyons de l'autre côté là-bas, là où ils sont, nous voyons un noir. Nous voyons qu'ils sont dans le noir. Nous savons que maintenant nous nous rassurons que nous sommes sauvés. Okay. Parce que nous servons le Dieu d'Israël. Okay. So, still in the same light that before they used to think, you know, they were left alone. But now, with your presence, they know the God of Israel really does exist. It's a worldwide Jewish community. Community. I mean, there are Jews all over the planet. Yeah. So, actually, he thought at one time they were left alone. And we're all part of the peoples of Israel. Just the fact that you guys are here, it's enough assurance that they are not alone. That because the same difficulties they face is the same you guys face. Yes. So, they feel identified now that they are not alone in the fight. So, he says he's going to continue, they will continue. And I think he's done. He's done. Maybe the young man wants to say something. He's the next generation of leadership. Translate that. Ah, great. I said, what was translate? It's a lady son, yeah. Non, tu peux pas. Je n'ai pas fini. Does he have a story? Non, vous aurez le temps de. Non, je vais finir tout à l'heure. Je finis. Ok, d'accord. Et c'est pour cela que nous voulons que tous ces gens-là nous voyons servir notre Dieu dans de bonnes conditions, étant à l'aise. Okay. Si nous voyons, tu vas demander à ton frère, bon, je vais te prêcher, il te voit avec les babouches trouées, franchement, il va dire lui-même, c'est quel Dieu qui sert avec les chaussures comme ça. Donc, c'est pour cela que nous voulons que ces gens-là nous voient dans la propreté, dans la sainteté, pour que eux aussi ils viendront. Ok, non, c'est pertinent, je comprends assez bien. So he is saying, you know, the Jewish community it's kind of stigmatized. So he is saying, if you guys can make it in such a way that they can be comfortable, I don't know how. Mm-hmm. Or maybe through connection. If they can be comfortable in your person, because some now we're talking about the African culture, we have a way of looking at things
if he has to meet somebody else and starts talking about Judaism, like, what kind of God do you serve? I mean, you're all, you know, in rags and stuff. It's like your God is not the true God, because sometimes in Africa, our culture, they want to see, you know, the, you know, your person looking all neat, and to them, when you're looking good, comfortable, meet yourself in a living God. But that's not it. It all comes from the heart. So what he wants is, if you guys can encourage them through partnership, through, I don't know, some other way, so they can be free to express the Jewish faith. So he can meet somebody else, talked about the religion, and that person in turn too can go talk to some other person. He says that's the only way, you know, they can propagate the good news and make more people, you know, come join the Jewish community. So that's it's his wish, his request. So I don't know how he wants it, but I think it should be more on some collaboration, partnership or something. Yeah. So okay, finally, tell him il sera le deuxième génération. So you're the next generation leader for the Jewish community, I guess. Yeah. Okay. So what do your friends say about this? My desire is that tes amis disent quoi par rapport à oui, comme tu es dans le judaïsme, oui, puisque tu vis avec lui, ses amis vont il fait quand au Cameroun. Mais s'il n'est pas encore entièrement, il est venu visiter sa communauté. I was going to Catholic church. Now they see me going to Jewish church. No one wants to talk to me again. Now I'm only living in my neighbor. I'm only working in the quarter in my neighbor. All my friends left me because I'm going to the Jewish church. That is why they don't want to work with me again. Where is your family? So please. That's the mother. Lydie. That's very hard. Lydia. Lydia. Does he have brothers and sisters? Do you have brothers and sisters? I have two brothers and one sister. And do you have, are they with you, or are you, have they not, do they not have the belief that you believe? No. No? You're Catholic. That's hard. You don't even have your brother and sisters. How do you feel to be different? I'm like that. I will do what God wants me to do. I will be. If God say I will be a Jew, I will be a Jew. If God say I will be a Catholic, I will be a Catholic. That's all what I have. Okay, so in case we don't have you, Elvis, anymore, we need to get all the English in that we can have. I mean, I will Elvis, invite you to come today? With oh, us. Oh, unfortunately, I have to see with my manager, but I don't think so. Well, I'm going to see you. You actually have work? Yeah. Okay, so let's find out. Okay, so. The battery is low. So okay, he's got a last word. One second. Okay. Well, he's just talking logistics now. So. Okay.